J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mon haul AliExpress. On va commencer tout de suite parce que j'en ai beaucoup beaucoup à vous montrer. Tout ce qui est water decal et aussi une palette. Donc je sais pas si la palette, je vais pas faire une vidéo aussi à part. Pour faire les swatchs et autres, je sais pas trop. Enfin, vous verrez ça de toute manière. Si vous êtes abonné... vous verrez. Donc j'ai commandé des water decals, donc je les ai reçus tous de toute manière dans des enveloppes voilà. Toujours très très bien emballées. Donc les water decals, j'adore ça. D'ailleurs il va falloir que je m'en pose là. J'ai fait mes ongles il y a quoi, 2 jours je crois. J'ai toujours rien mis dessus. Petit peu la flemme en ce moment, et puis je fais un temps de brun, il fait toujours nuit. Donc je me suis commandé tout d'abord un lot de water decal mignon. Donc je vais vous montrer les planches. Donc les water decal, pour celles qui ne savent pas, c'est comme des stickers, sauf que c'est mieux que le sticker. Enfin moi j'aime pas les stickers. Donc water decal, vous avez une planche, voilà. Ça, la première planche, j'aimerais bien qu'il fasse un petit focus, ouais. Donc avec plein de petits mignons. Donc les water decals, c'est simple. Vous enlevez la partie plastique que vous avez dessus. Là vous voyez j'ai une feuille plastique. Voilà, vous enlevez la feuille plastique. Enfin, enlevez-la pas tout d'un coup, hein, mais voilà, vous prenez les water decals qui vous intéressent. Vous coupez au ciseau, vous enlevez la partie plastique, vous faites tremper votre water decal dans un verre d'eau tempérée. Et vous attendez quelques secondes, je dirais 30 secondes maxi. Hein. Vous voyez que le water decal se décroche du carton. Vous le posez sur votre ongle, à l'endroit où vous le désirez. Si vous voulez rechanger de place, vous réhumidifiez un petit peu votre ongle, vous le remettez à la bonne place. Vous mettez le water decal où vous voulez le mettre et vous enlevez l'excédent d'eau avec un morceau de coton, tout simple. Et ça tient super bien quoi, vous le sentez pas sur votre ongle, vous passez votre top coat, vous le sentez pas. Qu'un sticker, c'est différent. Donc c'est super pratique et c'est vraiment pas cher du tout. Mais là, tu ne recommences pas. Bella, je vais me la faire. Là, elle est juste là, quoi. Juste à côté de la caméra et je pense qu'elle va vous mettre un coup de boule. Je le sens comme ça. Donc voilà pour le premier. Avec les petites étoiles de mer, il est mignon. Hop, je sais pas où je vais les mettre. Non. Un deuxième. C'est vraiment que des mignons. Et enfin voilà. Ça peut être super fun si vous avez des petites filles. Enfin, bon, je reste une grosse gamine. Hein. Moi, ça va pas me déranger de les mettre. Focus. Donc, voilà. Juste sur un doigt, voilà, ça fait la blague. Hein. Je veux dire, avec un vernis jaune ou. N'importe quelle couleur. Elle est trop mignonne la petite là. Je l'ai vue hein. Attrape-moi. Moi et moi je suis méchant, je les ai vues. Hein. Mais je sais même plus comment elle s'appelle la gamine. Ta mot et ma mémoire de poisson rouge. Ils sont trop mignons. Donc là c'est vraiment tout petit, donc c'est vraiment fait pour si vous avez des petites filles. Pour les ados, c'est vraiment fun. Il veut pas. C'est trop trop mignon. Ça y est, tu t'es couché, t'en as eu marre? Que je t'engueule? Mais t'es chiante aussi, hein. Se rend pas compte qu'elle casse pied. Des mignons. Donc pour ce lot là j'en ai vraiment pas eu pour cher. Et vous voyez j'ai de quoi faire là. Hein. Parce que rien que sur une planche, je sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
30 hauteurs d'écale par planche, ça vous en fait des manucures si vous en mettez juste un ou enfin un sur chaque sur une main. Enfin voilà quoi. Donc voilà pour mes water decals mignons. Je pense que je pourrais aussi en mettre quelques-uns dans le concours. Hein. Voilà. Ça risque d'arriver. Parce que là j'ai de quoi faire. Hein. Vous allez voir la suite. J'ai des water decals pour. C'est pour ça je pense que je vais en offrir pas mal. Celui-ci il est vide. Alors, ensuite. Celui-là est blindé. Alors, toujours le water decal. De toute manière, je vous mettrai les liens en barre d'infos de mes lots. Parce que là, c'est vraiment exclusivement des lots que j'ai commandés. Je crois qu'il m'en reste encore deux dans la chambre que j'ai pas. Il va falloir que j'aille chercher, que je vous les montre. Ils sont vraiment, vraiment beaux, féminins. Je kiffe. Ah, ça, c'est le même, je crois. Il y en a certains, je les ai commandés deux fois. Hop. Donc ça va se glisser dans les concombres. Il est beau celui-là. C'est si beau ça. Hop. Vous voyez, vous avez vraiment du choix. Il y a tous les styles. Il y a tous les styles. Donc là, c'est pareil. Il y en a deux. Mais je préfère les acheter sur AliExpress. Enfin, ça revient beaucoup moins cher parce que vous avez sur des sites français, c'est une planche comme ça, ils sont capables de vous les revendre à 1 euro. Aider quoi, donc non, alors que là j'en ai 10 pour même pas pour 1 euro, voilà la blague quoi. Ça fait Halloween, ça sur du doré ça peut être pas mal. Donc là vous avez en blanc et vous les avez en noir, ça peut être super classe. Juste sur l'annulaire. Celui-là aussi du coup. Hop. Voilà pour ce lot. Donc là j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Mais je pense qu'il y en avait 10 et que j'en ai pris 2 séparément. Je sais plus trop comment j'ai fait, mais. C'était peut-être pas ce sac là. Ça a du mal à rentrer. Donc ensuite. Ouais, ça devait être celui-là. Ensuite, encore des petits water decals floraux. C'est oui, des fois vous avez les emballages pleins ou sinon, bah voilà. Ça arrive comme ça aussi. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute manière, ça part à la poubelle l'emballage. Hein. Donc là, c'est des floraux. Ça, c'est vraiment joli. Ça vous fait des ongles trop beaux. Hein. Enfin voilà quoi. Ça fait vraiment propre et une qualité professionnelle quoi. C'est alors que c'est tout con à faire. Oui bébé, tu te roules? Non, je te caresserai pas. Tu vas me choper. Je te connais. Je te connais, t'es sadique. Il est beau celui-là. Ah. Vous voyez, j'en ai pour un moment. Hein. Celui-là aussi, j'aime bien. Donc avec une planche comme ça, vous pouvez faire deux manucures si vous en mettez sur chaque doigt, sinon, bah voilà quoi. Si vous en mettez juste un ou deux... Non, tu me chopes pas, non? Je crois pas, non. J'essaye de mettre des coups de patte. Non mais...
trop trop beau. Le même en version rose. Ça j'adore. Faudra peut-être que je vous en refilme une de vidéo nail art où je pose bah, justement des water decals. Je pourrais faire un test avec vous de chez AliExpress. Donc voilà pour ceci. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bizarre. Ou peut-être qu'ils en ont glissé un gratuit dedans, je sais pas trop. Je sais plus trop si c'est... Ça m'étonne si c'est peut-être des lots de 11 hein, finalement. Ensuite, ah bah non, ils sont là. Là, c'est les deux mêmes. Donc, j'ai commandé. J'en avais déjà commandé un tout seul. Et ouais, je les ai trouvés trop beaux. Donc, je les avais essayés et j'avais bien aimé. Donc, je m'en suis recommandé deux. Donc, pareil, là, ça va aller pour le concours. Ils sont vraiment beaux, ceux-ci. J'aime bien les effets plus. Sur une base claire, ça pète bien. Ensuite, alors là, c'est des spéciales French et je fais plus de bruit, promis. Donc là, c'est des planches différentes. Donc il y a des fleuries encore. C'est un peu plus typé asiatique. Et voilà, ça se présente sur planche. En fait, c'est à l'usine, c'est pas coupé. Hein. C'est les mêmes planches que les autres, hein. C'est les mêmes références si vous regardez bien. Le B machin. Hein. Ben, voilà, c'est juste que c'est pas coupé quoi. Donc moi je pense que je vais me les couper. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme au prix où je les ai payés. Donc vous avez. Là c'est un peu plus typé asiatique. Arrête de me choper! Elle va me bouffer. Je vais me faire attaquer en direct. Ou pas, pas vraiment en direct. Ça se trouve. Si la vidéo n'a pas été publiée, c'est qu'elle m'a tuée. Donc, là, c'est plus asiatique. Hop. Ouais, vous voyez. Pour changer de temps en temps. J'espère que vous voyez bien. Ça peut faire un nail art vraiment très zen. Hop. Et là, des motifs floraux. Des papillons. Hop. Ensuite, là, c'est des spéciales diagonales en fait. Pour vraiment juste mettre sur deux biais quoi. Pour faire une French de biais quoi. Enfin je sais pas si je suis très claire. Donc voilà un peu le style. Et moi j'aime bien aussi, mais bon là faut que mes ongles y repoussent. J'aime beaucoup. Avec les petits points. Faire classe. Alors après on a imprimé pour en terre. Et le dernier, hop, on aura fait le tour. Donc celle-là c'est deux biais, voilà. J'aime bien aussi ce style de manucure. Hop, pour ça. Et ensuite, spécial French. Donc ceux-ci, c'est ceux que je trouve les moins jolis. Mais après, il faut voir une fois posé, en fait. Je pense que celui-ci peut faire pas mal. Est-ce qu'il va me faire le focus? Je pense qu'avec les petits oiseaux, là, ça peut être pas mal. Après, fleuri... Enfin, peut-être avec un fond noir. L'ongle noir et juste la French comme ça, ça peut être pas mal. Faut que je teste. Hop. Ensuite. Encore du fleuri.
arrive à plier en même temps. Et les deux derniers, voilà, rose, rose. Mais ouais, faut que je teste aussi. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Mais ouais, ça peut, ça dépend de la base que vous mettez, la couleur de base que vous mettez, ça peut faire vraiment pas mal, je pense. Donc voilà pour mes water décals commandés sur AliExpress. Donc dites-moi si vous en avez déjà testé, si vous avez des liens à me passer. Parce que, enfin voilà, c'est... Il y a tellement de choix, il y a tellement de pages que voilà. Au bout d'un moment, je m'arrête parce que je me dis, voilà, on va peut-être aller dormir, hein, parce que je pourrais passer vraiment des heures et des heures et des heures sur ce site. Tellement, il y a tout. Il y a tout. Il y a des choses que vous ne pensez même pas. Et vous dites, mais putain, oui, c'est bien, ça peut vraiment être sympa à utiliser et ça peut être vraiment utile. Voilà, c'est comme mes, par exemple mes bouches là, pour mes tubes de dentifrice, je m'en passerai plus aujourd'hui. Hein. Enfin, je trouve ça super. Enfin, je trouve ça super, tout simplement. Donc voilà pour mes water décals et autres. Et je vais revenir avec une autre vidéo encore. Ouais, ça va faire une troisième vidéo juste pour swatch de palette en fait. Voilà. Parce que là, je suis déjà à 16 minutes et. Pas pousser quoi, hein. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Change, 'cause baby.